Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois, nous étions allés sur Tessia pour récupérer l'artefact, qui était en fait une valise protéine et que Kyle Lang nous a volé. Et donc, on va essayer de trouver la base de Cerberus, donc sur la planète Horizon. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Donc, on va prendre Lyra et Tali comme d'habitude. Comme d'habitude. On va essayer encore de changer de... comment peut-on dire ça? De... D'armure, de... Je sais pas comment on pourrait dire ça. D'apparence, si vous préférez. Ouais, non, pas du tout, on va pas faire ça en fait. C'est pas grave. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Continuez. Des points à mettre ici, niveau subauto, voilà. C'est un niveau, on a mis tout le point au maximum. Hein. Qu'est-ce qu'on sait, Shepard ? Idea ? Le complexe du sanctuaire est destiné à aider les réfugiés qui fuient les moissonneurs. Le complexe ne donne plus signe de vie depuis peu, et n'émet ni ne reçoit aucun signal. Difficile de dire pourquoi Kyle Lang ou Cerberus s'y intéresseraient. S'il y a du Cerberus dans l'air, on le saura. Madame, je détecte un signal émis par le complexe. Il est faible, mais je vais tâcher de l'amplifier. Oriana? C'est la sœur de Miranda. Si elle est là, Miranda ne doit pas être bien loin. C'est le lien avec Cerberus. Atterrissage imminent. Sauf que Miranda ne fait plus partie de Cerberus, espèce d'idiot. Allez, on va détruire Cerberus pour une fois pour toutes. On trouble nous aussi. Restez alerte. C'est où l'alerte? Il y a pas mal de dégâts. Oh bon, j'ai rien dit, d'accord. Vous avez entendu ça? Silence, radio. Quelque chose brouille notre signal. J'ai pas à te regarder. Un psychosaure? Je l'ai vu! Des fantômes! Tenez-les à distance! Ils étaient en pleine évacuation. Et on dirait que les moissonneurs les pourchassaient. Il était temps qu'ils s'entretuent. J'avoue. Pour votre sécurité, les appareils de communication sont strictement interdits. Il s'est passé quoi ici? Je sais pas. Venez. En voilà d'autres. Ils sortent de cette tour. Alors, on y va. Donc c'était bien la base de Cerberus à la base. Mais où sont tous les gens qu'ils ont amenés? Ce sont des enregistrements de caméras de sécurité. C'était une zone de réception destinée à orienter les arrivants. Allez, on descend. On continue. Les procédures de sécurité n'existent que pour assurer votre protection et celle de vos proches. Si on le fout, c'est le fouiller le maximum, j'ai un pardon. Fragment d'enregistrement. J'ai un fragment d'enregistrement. Quelque chose devant, Shepard. Des pertes. Des deux côtés. Encore Cerberus! Un poste d'observation. On dirait un cul-de-sac. Il faut trouver une sortie. Ouvrez grand les yeux. Aucun appareil
C'est bon, je les ouvre grand, très grand même. Quoi, comment ça, ça y parlait pas à moi? Je croyais pourtant, je pensais. C'est Miranda. Ici Miranda Lawson. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous êtes désespéré, stupide. Écoutez-moi, ce n'est pas un camp de réfugiés. C'est une base de Cerberus dirigée par mon père, Henry Lawson. Repartez. Personne ne veut votre bien ici. Toutes les communications sont bloquées depuis la tour centrale. Le sanctuaire est un piège. Repartez. Ok. On se retrouve avec Cerberus, les moissonneurs et le père de Miranda. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Je sais pas, on peut faire une belle partie de Scrabble. Un pupitre. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait cacher quelque chose. On peut entrer dans le complexe par la petite porte. Avançons. Que voulez-vous cacher, père de Miranda Lawson? Base peut-être d'expérience sur sur les moissonneurs peut-être. Avec de la technologie de moissonneur, ça ne va pas être drôle du tout. Tu l'as dit, Buffy. Dire qu'on était dans Cerberus dans le 2. J'aurais dû détruire la base moissonneur. Ça doit être un poste de commandement, mais il n'y a pas de courant. Voilà l'interrupteur. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Les réfugiés. Ils les exterminent. Pire. Ils les transforment. Ils sont transformés en zombies. Allez! Du coup, comme il a remis le courant, il va y avoir plein Pourquoi de zombies. Pourquoi des zombies? Ça renforce les moissonneurs. S'ils s'échappaient, ils pourraient détruire le complexe. Le risque semble bien trop grand. Les moissonneurs ont attaqué. Je coupe l'alimentation. Les moissonneurs ont ravagé le complexe. Je coupe l'alimentation de l'usine de traitement pour les enfermer. Ça devrait aussi leur couper l'accès à l'entrée. Kai Leng. Miranda Lawson est arrivée plus tôt que prévu. Seulement si elle entrave notre route. Trouvez-le et partez. Oui, chef. Trouvez-le. En avant. Le père de Miranda, peut-être? C'est assez confus, on n'a pas assez d'éléments. Zombie! C'est pas étonnant! Ok. Il doit y en avoir plus là d'où ils viennent! Ah là, la pauvre Asari, quoi. Pauvre Ravni également. J'ai pas l'habitude d'utiliser les balles. Il hein. Faut que je reprenne l'habitude d'utiliser les balles spéciales. Ça leur fait bien plus mal comme ça. Cerberus et les moissonneurs s'entendaient. Et voilà. Je vais à la tour pour couper le brouillage. Certains réfugiés sont transformés en zombies. D'autres sont endoctrinés et expédiés à l'homme trouble. Les autres sont utilisés dans diverses expériences. D'après les données, mon père tenterait de découvrir comment... Attirer des réfugiés juste pour pouvoir en faire... C'est si démesuré. C'est un... Elle a dit qu'ils étaient envoyés à l'homme. Bien joué.
On y va. Miranda a dit qu'elle allait vers la tour. Alors, retrouver Miranda le plus vite possible. Ajustez vos tirs. Voilà. Nouvelle arme. Continuez. On lui ramasse, on l'utilise pas. Pour l'instant, j'ai de quoi m'occuper avec mon sabre. Notre premier succès a été la création de zombies. Même si ce ne sont pas de vrais zombies, ils répondent aux signaux des moissonneurs. Il reste du travail, mais nous avançons. Théoriquement, il est possible de les contrôler. Les sujets moissonneurs que nous avons convertis répondent... Je m'y attendais. Pas de quoi s'en faire, hein. Parvenir à contrôler les forces des moissonneurs. Voyons un peu la suite. On a réussi. On attend que les troupes des moissonneurs restent près de notre... Excellente nouvelle. Et comment pourrions-nous appliquer cette technique aux moissonneurs eux-mêmes? C'est un défi. C'est la raison de l'attaque des moissonneurs. Ils ont dû découvrir ce que tramait Cerberus. Mais bonne nouvelle pour nous, j'abaisse l'échelle d'accès. Un instant, Shepard. Bordel. J'espère qu'elle est prête pour ça. Kaelin, tu vas crever, connard. Ok. Pourquoi pas. Allez, allons-y. Oui, j'ai été entendu lire. Pas besoin de me le redire. Ça nous rapprochera de la tour. Allez, par là. Par là. Oui, exactement ce que je viens de dire, Shepard, merci de me copier. Shepard, droit devant. Gardez vos distances. Oh non, pas de furie. Alors allons-y.
Ah, si leur faire des dégâts à la tête, ça leur fait plus de dégâts ou quoi. Je vois une porte. C'est parti. Plus de musique, ok. Spécial. Accès à la tour accordé. Nice comme ascenseur. Vous avez entendu? On se tient prêt. Shepard. Commandant Shepard, vous arrivez pile à temps. Baissez votre arme. Non. Oriana vient de me rater. L'influence néfaste de sa sœur, sans doute. Dommage qu'elle vous ait raté. Où est Kai Leng? Je ne sais pas. Parti. Miranda. Vous êtes assez prêts, tous les deux. Kai Leng n'a pas fini le travail. Mais moi, je... C'est terminé. Au contraire. Maintenant que les moissonneurs ne sont plus un problème, il y a une issue. Laissez-la partir. Shepard, ne le laissez pas. Shepard, s'il vous plaît. Je me fiche de vous. Je veux... C'est beaucoup demandé. Vous aurez la vie sauve. Très bien. Prenez-la. Je ne suis pas d'accord. Oups. Il ne t'a rien fait? Tout va bien, Ori. Ça va. Oui. Commandant Shepard. On a eu de la chance. Ça ira. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais... Merci d'être là. Comment vous avez fait? J'ai vite trouvé mon père, une fois que j'étais sûre. Quand j'ai vu à quoi servait cet endroit. Bien sûr. Les choses ont mal tourné quand les moissonneurs... Vous avez survécu. Quand vous m'avez dit qu'il était impliqué, j'ai pris quelques précautions. Miranda, vous avez pris de gros risques. Vous avez une guerre à gagner. Ça, c'était mon combat. Vous l'avez fait. Oui. J'aurais juste aimé... Et pour votre père? Je suis contente qu'il ne soit plus là. Non. C'est enfin terminé. On va pouvoir souffler. Ouais, en effet. Les données de recherche sont introuvables. Ce n'est pas une piste directe. Récupérez le contenu de cet ordinateur. Je peux faire mieux que ça. Quoi? Avant que Kai Leng ne file, j'ai posé un détecteur sur lui. Un détecteur? Pas vraiment, mais... Merci, Miranda. Je me suis dit qu'une bonne nouvelle ne vous ferait... En effet? La mettre à l'abri. Faire soigner mon égratignure. Ok. Il faut que je poursuive. Je vous contacterai bientôt, je sais pas. Je l'espère. Viens, Ori. On est resté. Il faut mettre tout le monde au courant pour cet endroit. Brouillage des communications. Cortez, passez nous chercher. J'en ai assez de cet endroit. Nice. Personne d'influence. Ok. Je n'étais pas partisan de votre détour par le sanctuaire, commandant. Il y avait trop d'inconnus. Mais j'avais tort. Votre raid contre ce labo de Cerberus a été riche en révélations. Mais on ne s'attendait pas à ça. Tous ces réfugiés, toute cette boucherie, juste pour étudier l'endoctrinement. Il fallait fermer le sanctuaire, amiral. Ce qu'ils ont appris sur les moissonneurs vaut moins que ces vies. Ce sont des données utiles, commandant. Mais c'est vrai, c'était cher payé. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où se trouve l'homme trouble? Ouais. On avait pris soin de placer un détecteur sur Kai Leng. Bien, ça nous donne une chance d'éliminer Cerberus de la partie. On est d'accord. Il faut s'occuper de Cerberus, puis des moissonneurs. Exactement. Non, pareil. Pas de... Anderson ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, quel catch j'ai actuellement? Que j'ai de Cerberus? Ouais, bon. Le genre qui laisse Cerberus lui fourrer la technologie. L'Alliance a lancé un avertissement. Commandant, l'amiral a calé les enfoirés de Cerberus. Horizon, c'était chez moi. Cerberus est déjà mort, mais ils ne le savent pas encore. Et quand leur base ne sera plus qu'un tas de décombres fumants, vous vous souviendrez que nous les avons trouvés grâce à vous. Merci. Ok. Pour arrêter cette vidéo là, on va faire d'abord la mission N7 qu'on vient de débloquer, qui est certainement la dernière mission N7 du jeu.
Collector Cruiser. Mmh. On va ici quand même. Collector Cruiser, qu'est-ce que c'est que ça? Signal confirmé. Ah oui, c'est le... le vaisseau le récolteur, pardon. Je pense. J'ai pas compris ce que c'était. Bon, je sais pas, peut-être une quête annexe, mais je n'ai pas très bien compris la quête. Alors, voyons voir, faisons un petit tour quand même de la zone. Alors, je ferai ça après. On ira là dans le bus de la tête de cheval. Non, je regarde quand même. Ok, ok, tout ça. Généralement dans cette partie-là, dans la partie en bas à droite de la galaxie, qu'il y a des choses à récupérer après chaque mission. Et là, si rien, c'est que c'est bon. Ok. On va sur Noveria. Noveria. J'ai l'impression qu'on y est déjà allé sur cette base. Regardez, confirmé. Ça fera une petite vidéo de 30 minutes. Hein. L'ennemi possède un avantage stratégique dans le secteur grâce à l'escadron de chasseurs que vous êtes sur le point d'attaquer. On aimerait s'en emparer, mais leur défense anti-aérienne est trop puissante pour un assaut frontal. Les pertes seraient trop lourdes. Comment vous voulez que je m'y prenne ? Passer par l'arrière et neutraliser leur défense pour qu'on envoie nos troupes. Bonne chance, commandant. Contact visuel. Je peux vous lâcher là, mais... Ça marche. Oh, de la neige. Ça, je la reconnais, cette map. Hein. Je connais même pratiquement par cœur. Ok. On va nettoyer la zone petit à petit, hein, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Ah non, c'est pas exactement la même map que celle en multijoueur. Sans couverture. Dégagez. Je vous attendrai. Nettoyez la base et prévenez la force. Alerte, alerte. Intrusion. Mesure de confinement lancée. Shepard, les canaux externes ont été brouillés. On se charge d'abord des défenses. On s'occupera de ça plus tard. Allez.
Shepard, l'ordre de désactivation doit être simultané. Ok. Système de défense désactivé. Ordre général 7/7 déclenché. Activation des défenses de secours. Shepard, je capte un déploiement en masse sur la plateforme d'atterrissage. Alors c'est là qu'il faut aller. Presse touche. Cortez, je vous reçois. Approchez. Voilà, commandant. J'ai dû passer les interférences. La voie est en train de signaler la force de frappe. Attendez, les scans des... L'Atlas, 100%. Alerte de proximité. Déploiement de la réponse armée. Shepard, attention! Le groupe d'assaut ne peut pas atterrir. Mettez le paquet. Voilà, j'en ai deux. On ne tarde plus. Je crois que c'est fini, Shepard. Il y a des blessés? Ouais. Rien qui vaille d'être mentionné. J'ai vu le signal et j'ai contacté la force de frappe. Ils sont en route pour prendre le contrôle de la station. Bien joué, lieutenant. Nice. Période de service, en cours. C'était une victoire majeure, commandant. Un rude coup porté aux activités de Cerberus dans le secteur. Maintenant, il suffit de garder le contrôle du complexe. Cerberus ne se laissera pas faire. Nous non plus, on ne se laissera pas faire. Grâce à vous, on peut utiliser leur propre défense contre eux. Votre équipe a bien travaillé, commandant. Vous pouvez être fier. Merci, chef. Ok, terminé. Ok. Donc nous allons arrêter cette vidéo-là. Elle sera un peu plus courte que les autres vidéos, mais voilà, on verra bien comment ça va se passer pour la prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Step, pour Chetuban HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo.